Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour une nouvelle vidéo pour un petit wall rush et se retrouve ici derrière moi. Donc vous voyez le petit mur est là-haut. Donc c'est juste ici sur le boulevard des étoiles, j'appelle ça comme ça. Donc je l'ai testé sur PC bien sûr, donc à vous de me dire si ça marche sur les autres consoles ou pas du tout. C'est pas très compliqué, il vous faut un véhicule pour monter là-haut. Donc voilà, donc vous faites comme moi dans la vidéo, vous montez. Après, vous montez sur le petit rideau qui est juste ici, le petit stair. Vous montez sur le muret. Et dès que c'est ça, vous allez contre le mur. Donc, pas faire comme moi, pas redescendre, c'est un peu dommage. Sinon, vous recommencez. Hop, c'est parti. Tac. Vous mettez contre le mur, donc vous collez contre le mur, vous glissez sur les côtés. C'est pas très compliqué. Il y a des endroits qu'on peut tirer, d'autres non. Donc voilà, là je suis planqué. Donc on peut troll des personnes, ça peut être vraiment pas marrant. Par exemple, vous avez une prime sur la tête, bah vous planquez juste ici. Comme ça, les personnes vont vous le chercher. Après, ça peut être bien pour faire un cache-cache ou des trucs, voilà, funny. Ça peut être vraiment stylé pour troll un peu des amis. Donc, le ceci, on peut tirer en fait sur les côtés, mais on peut pas tirer en face de nous. C'est ça qui est un peu dommage. Après, je sais qu'on peut le faire avec un hélico, c'est-à-dire vous montez avec un hélico, vous sautez en parachute et vous pouvez retomber au-dessus. Mais le ceci, c'est que bah vous finissez écrasé dans l'immeuble parce que je l'ai testé bien avant. Et en fait, je me suis écrasé dans l'immeuble, donc c'est un peu chaud parce qu'il faut contrôler le parachute et la vitesse. Donc c'est pas possible. À vous de me dire si vous avez réussi. Donc voilà, vous avez vu, là je peux tirer, j'ai tué la personne qui est juste sur le côté, mais je peux, il y a des endroits où là je peux plus tirer. Donc c'est un peu dommage parce que là-bas il y a la foule, on aura pu vous montrer comment tirer en dessus. Mais voilà, il y a des endroits qu'on peut tirer ou pas du tout. Et c'est vraiment pas mal cet endroit-là pour se planquer quand vous avez une prime ou quand vous voulez faire des choses sur le téléphone par exemple. Je sais pas, acheter un véhicule, vous n'avez pas le temps de vous mettre en mode passif ou un truc comme ça. Vous avez juste à vous mettre là et vous êtes tout simplement tranquille. Et voilà, même pour embêter des personnes, quand vous êtes recherché par les flics, vous faites ça. Moi, je vous conseille bien sûr de mettre une grenade ou une bombe sur la voiture quand vous montez. Comme ça, la personne ne va pas savoir vous êtes là-haut. Parce que si la personne voit le véhicule, vous pensez directement vous êtes là-haut. Donc, je vous conseille de mettre quand même une bombe collante sur le véhicule. Comme ça, vous le faites exploser avant que les joueurs arrivent. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, sur ce, les amis, n'oubliez pas de laisser aussi un petit j'aime pour savoir si ça vous a plu. Comme ça, moi, je sais si bah, je continue ou pas parce que j'en ai d'autres à vous présenter, des wall brush. Donc, il me faut un maximum de j'aime. Pour bah, tout simplement pour savoir si vous voulez voir la suite ou pas du tout, et vous abonner si c'est pas déjà fait, de laisser des commentaires pour savoir si vous l'avez testé sur les autres consoles. Du coup, moi je vous laisse sur les images et je vous dis bon game à tous et salut tout le monde!